Bonsoir Alex. Bonsoir Julien. Il y a un chien qui vient de péter sa race. Oui, c'est un bulldog français, ça pète. Aujourd'hui, on va parler, non pas de pet bulldog, mais de volume. Et pourquoi quand ça joue fort, c'est bien? Ouais. Alors, cette vidéo vient de pas mal de sources différentes. Sur nos notes, elle s'appelait « Ça va jusqu'à 11 ». Oui. En référence à la fameuse scène de Spinal Tap où Nigel Tufnel fait visiter sa collection avec le Marshall modifié qui va jusqu'à 11 au lieu d'être 10. Et d'où la question complètement stupide du mec qui visite la collection. Pourquoi ne pas avoir un ampli plus fort mais qui va jusqu'à 10 quand même? Et la réponse de Tufnel est absolument brillante. Celui-là va jusqu'à 11. Oui. Ah oui, forcément. C'est forcément mieux. One louder. Why don't you just make 10 louder and make 10 be the top number and make that a little louder. These go to 11. Il y a comme ça plein de phrases fabuleuses. Plus récemment, il y a aussi le fameux Loud is more good de Josh Scott, qui bien est devenu sûr un ampli, qui évidemment est complètement grammaticalement impropre, mais qui explique très bien cette approche. J'aime bien quand c'est grammaticalement impropre. Bah évidemment, c'est mieux. C'est meilleur. On nous a, en tant que guitariste, c'est plus mieux. C'est plus mieux. On nous a taxé, en tant que guitariste, d'être des bourrins avides de volume, voire de ne penser qu'à nous en termes du volume sonore qu'on occupait. Tout voire est vrai. Même sur ta chaîne. Tout est vrai. Il y a des invités qui ont dit que c'était... Que c'était pas poli pour les autres musiciens à l'heure actuelle d'utiliser un vrai ampli. Des professionnels, monsieur. Qui a beaucoup énervé Ludovic Egrase. Ah ouais? Ouais. Ah, il t'en a parlé? Ah ouais, ouais, ouais. Oh, Ludo! Il était tout remué. Oh, mon Ludo! Il était tout chafouin. Et oh, mon Ludo, fallait qu'on s'appelle. Je comprends, mais il s'énerve. Oh. Et du coup, effectivement, ça m'a donné cette idée. Ça fait quelque chose, cette vidéo. Mais bien sûr, mais cette vidéo parle de nos convictions les plus profondes. Ah, désolé, j'invite des professionnels. Hein. Désolé d'inviter des gens qui font ça tous les jours. Et okay. Donc, je reçois régulièrement aussi des questions par message privé de gens qui me demandent comment avoir le son à bas volume, comment avoir du sustain à bas volume. Et alors, évidemment, il y a des solutions de substituts. Mais la réponse simple, c'est... T'es dans la merde, frère. Ce n'est pas possible. Tout simplement, le facteur volume... Version grammaticalement corrigée. Est probablement l'élément le plus important de votre son. Tout simplement. Bah voilà, fin de la vidéo. Merci, voilà. Au revoir, à bientôt. À bientôt, salut. Bonne semaine. Donc voilà, je voulais arriver dans cette vidéo et demander à Alex, avec son cerveau d'ingénieur, de nous expliquer qu'est-ce qu'il fait que quand on écoute quelque chose de fort, c'est plus excitant et ça remplit mieux l'âme que quand on écoute quelque chose de pas fort. Ah, c'est beau. J'aime ça. Quand j'étais enfant, ouais, je me souviens de mes premiers concerts indésirés. Ok. Genre, tu te balades au carnaval ou quoi, t'es tout petit et t'as la musique à donf. Ouais. Et je disais, papa, j'ai mal au thorax. Mmh. Et c'est pas pour rien, en fait. On n'est pas bête quand on est enfant. Tu sentais la pression des basses? Ah oui, c'était très réglementé à l'époque. Et mon père, il dit, t'inquiète pas, fils, ça va bien se passer. Bon, on rentre à la maison après, quand même. Donc... Et tu vomissais dans la voiture sur le chemin du retour. Tout va bien. Donc, en fait, finalement, notre corps nous parle. Et notre corps... n'est pas un système numérique tout plat. Mmh. Il y a à la fois du psychologique et à la fois de la, vraiment du physiologique. Mmh. Les deux combinés ensemble, t'es sûr d'être dans la merde. Donc ça, c'est ce qui nous hante dans notre vie tous les jours. Et en fait, ce que je ressentais, c'est que j'ai plein de capteurs dans mon corps. Mmh. J'ai mes oreilles, bien évidemment, qui sont les principaux, mais j'ai aussi des vibrations qui vont apparaître à différents endroits. Ok. Pour te faire vibrer un thorax, tu peux comprendre que le volume d'air nécessaire est plus important que pour faire vibrer un tout petit système dans ton oreille. Bien sûr. Donc il y a une question de volume, il y a une question de fréquence aussi. Exactement, parce que la fréquence de résonance d'un gros objet va être plus basse qu'un petit objet. Mmh. En général, ça va dépendre des matériaux, etc. Alors, disclaimer, je ne suis pas acousticien. J'ai des notions, j'ai eu quelques cours sur la cochlée, je vois comment ça marche, mais moi je suis plus dans le traitement du signal. Alors, deuxième disclaimer... Moi, je le suis encore moins. J'ai eu ma prof de physique en 4e qui m'avait donné un polycopié, rien qu'à moi, parce qu'elle savait que j'étais musicien. Oh, c'est mignon, ça. Où ils expliquaient l'oreille humaine qui entend de 20 Hz à 20 kHz, les fréquences graves, médium, aiguës, et par comparaison, il y avait certains animaux qui entendaient sur des fréquences différentes. Ça, c'est bien, c'est un bon point de départ. Ça m'a permis de comprendre certaines choses, mais ça reste encore l'étendue de mes connaissances dans le domaine. En fait, y a beaucoup de choses à raconter, et j'espère qu'on ne va pas être trop dans le désordre, parce que c'est un sujet que je maîtrise moins que le traitement du signal. Ok. Le traitement du signal, c'est ce qui se passe après, une fois que tu as perçu le son. Moi, c'est là-dessus où je m'éclate. Très bien. L'oreille, je ne suis pas un chercheur là-dedans, j'ai eu juste des bases. Alors déjà, j'aimerais bien recentrer un peu notre terrain de jeu. Ouais, vas-y. Justement, pour pas qu'on parte dans tous les sens. Ouais, c'est important. Parce qu'il y a plein de choses à dire. Je pense qu'il faut d'abord rappeler qu'il y a une certaine forme de volume qui amène du crunch, qui amène de la distorsion. Alors là, tu parles du système qui amplifie. Voilà. Et okay, alors là, tu reviens bien en arrière. Parce que... Ok, moi je te parlais de la perception. Bien sûr, mais toi, justement, tu parles de la création du son. Là. Je veux parler de l'autre facette. Bon, on reviendra sur mes traumatismes plus tard. T'inquiète pas, on va y revenir. Alors. Mais ce que je voulais définir, vois-tu, c'est que, par exemple, quand on pousse un ampli et qu'on a l'impression qu'il sonne mieux, c'est juste qu'on a créé de la saturation. Donc, en fait, ça... il sonne vraiment mieux. Oui, de fait, il sonne mieux. Voilà. Parce que... t'as raison, il faut commencer par ça. Parce que ça pousse plus chaque élément. Oui. Mais il y a quand même un degré de puissance claire qui fait qu'on a une différence de son perçu et qui n'est pas un meilleur fonctionnement de l'ampli. Je pense par exemple à quand on met un clean boost. Oui. On a toujours l'impression que ça sonne mieux avec un clean boost. Oui. Même si c'est exactement le même son, mais en plus fort. Alors là, c'est faux. Et là, c'est faux. Voilà. Vas-y. Le clean boost n'est pas clean. Niquez-vous. Voilà. Très bien. Déjà, en fait, le clean boost, il peut être clean sur une plage d'utilisation. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle le point de linéarité et de non-linéarité. Mais alors, dans un circuit électronique. Est-ce que le clean boost existe jamais? Alors, en fait, si le clean boost peut être clean, je vous explique comment. Si tu restes dans la linéarité d'un système, techniquement, oui. Un système linéaire, c'est par exemple ce qu'on attend d'une sono. Mmh. Une sono, tu attends d'elle que tu pousses ton fader. C'est juste du volume. C'est un système linéaire. Oui, mais donc, là encore, c'est limité dans sa vérité. C'est ce qu'on attend de lui. Puisque ta sono, certes, est sans doute linéaire dans la puissance qu'elle délivre. Sauf que tes enceintes, dans leur comportement, ne sont de fait pas linéaires. Non, mais bien sûr. Alors, et la pièce dans laquelle tu les diffuses ne sont pas linéaires non plus. Là, on rentre dans la hi-fi, la high fidelity. Pourquoi les mecs deviennent fous? C'est parce que le moindre élément qui fout la merde, ça fout la merde. C'est pour ça qu'ils vont commencer à tourner dans le sens de la Terre, blinder les câbles avec je sais pas quoi, parce que, bah oui, là tu peux... Commencer à te pignoler de tous les côtés, c'est compliqué. Mais donc, je reviens juste au principe de linéarité. Ce que je voulais recentrer, en tout cas, c'est... Toi, tu veux parler de la non-linéarité, en fait. Bah, moi, je voudrais avant tout dire que même quand c'est le même son perçu, et pas quand on recherche à faire cruncher son ampli, il y a quand même un bénéfice du volume supplémentaire. Ah bah alors là, c'est dans la perception, t'es plus dans l'amplification. C'est ça. Parce que moi, j'aime bien cette idée de parler de la perception. Et moi, j'aimais bien ton idée d'aller dans l'amplification, parce qu'en fait, c'est un bon démarrage. Ok, bah vas-y, on reste dans l'amplification. Parce que l'amplification, c'est un bon sujet. C'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Vous vous posez la question de « Merde, j'ai mis mon atténuateur de puissance et ça marche pas. » C'est ce que tu as dit en intro. L'atténuateur de puissance, il est bien en soi. Il va te permettre de faire monter le volume de ton ampli sans faire monter le volume acoustique. Oui, bien sûr. Donc le volume de l'enceinte. Et dans l'idée, c'est bien, parce que tu vas obtenir une belle saturation qui vient des lampes, que tu vas aussi défoncer tes lampes avec ton boost. Oui. C'est ce qu'on veut. Oui, donc oui. L'amplification, elle apporte du beau parce qu'elle est non linéaire. Voilà. La linéarité, c'est quelque chose de pas beau quand tu vas chercher à la pousser, ouais. Parce que tu vas sortir du système pour laquelle ça a été créé, en fait. Conçu, ouais. Conçu. On va te dire, mets-moi un ampli classe D, je veux qu'il marche bien, et je bouge mon fader, et basta. Là, on va faire des amplis classe A, AB, B, ce que vous voulez, avec des lampes, parce que les harmoniques sont belles. Mmh. On va leur mettre même des diodes de clipping, des choses comme ça, parce qu'on va attendre du composant que quand je pousse le volume, il va pas me monter le volume, il va m'apporter des harmoniques. Ouais. C'est ça ce qu'on attend d'un système. Et justement, qui nous fait plaisir. C'est rigolo parce que, effectivement, l'atténuateur, on a cette idée que ça va nous permettre de pousser l'ampli de puissance. C'est vrai. En fait, c'est vrai. Non, c'est vrai. On a eu de cesse de déplacer l'endroit où on va pouvoir atténuer. Oui. C'est-à-dire que, alors évidemment, déjà, si on remonte avant, toute l'histoire de la guitare, c'est une recherche de puissance et de volume. Oui. Puisque à l'origine, on était tellement limité qu'on pouvait même pas se battre contre d'autres instruments. Et à l'origine, tu m'avais dit que le but, c'était de monter en watts, pas forcément en cherchant une saturation, juste en cherchant à sonoriser. Oui, c'est ça, à se faire entendre. Ouais, c'est ça. Tout simplement. C'est intéressant. On a recherché effectivement la puissance claire en priorité. Et ça n'a pas marché. Les offenders cherchaient la puissance claire. C'est pour ça qu'il est passé à la rectifieuse diode et pas lampe sur les blackface. Et nous, comme des voilà, on cherche tous les défauts d'avant parce que c'est ce qui sonne bien. Et c'est pour ça que Marshall faisait des amplis 200 watts. Ouais. Parce que dans les salles de l'époque, il n'y avait pas de repiquage des amplis. C'est juste. Donc il fallait pouvoir sonoriser. Mais bon, tout ça c'est beau. Tout ça c'est beau, mais dans les années 70 par exemple, oui. On s'est rendu compte qu'on aimait la saturation des amplis, donc on a inventé le master volume. Voilà. Ce qui permet d'obtenir le clipping du préampli, mais pas de l'ampli de puissance. Mais du coup, déplace le problème au niveau de l'ampli de puissance. Puisque je vous rappelle qu'il y a le préampli, l'ampli de puissance et les haut-parleurs. Ensuite, on a inventé le limiteur de puissance, donc là, qui effectivement permet de pousser le préampli et l'ampli de puissance. Voilà. Mais le problème est déplacé au haut-parleur. Exactement. Le haut-parleur a une courbe de réponse intéressante. Du coup, on a inventé le plexiglas devant l'ampli, ou la box isolée, ou les chiottes à donf et tu te mets derrière la régie. Voilà. Mais du coup, on perd d'une part l'air qui bouge autour de nous, et d'autre part un élément qui pour moi est essentiel et explique pourquoi on a plus de sustain à haut volume, c'est l'interaction entre ces micros et l'ampli. Alors interaction poussée à l'extrême, c'est le Larsen, le feedback, etc. Mais au quotidien, ouais. Et sans aller dans ces extrêmes-là, il y a une interaction musicale entre le micro qui reprend les cordes, l'ampli qui reprend le micro, et le micro qui entend quand même son propre son dans l'ampli. Et il y a un côté profondément vivant de cette interaction-là qui ne vient qu'avec un certain volume, et je suis profondément désolé. Encore une fois, fin de la vidéo, il n'y a pas de solution. Et bien maintenant, on peut parler de perception. Je pense, ouais, maintenant, on peut parler de perception. Donc, vous êtes foutus, je vous explique pourquoi. Alors, là, on a un EQ 10 bandes, ça va être pratique. Oui, on a fait un pédalboard, on ne sait pas trop pourquoi. Normalement, on y a à peu près réfléchi. Voilà. Donc là, j'ai essayé de mettre l'EQ 10 bandes à 0. Mmh. Merci, monsieur. Ton oreille, c'est à peu près ça. Une bosse dans les médiums, oui. Légère, une grosse atténuation sur les basses, et une grosse atténuation sur les aigus très hauts, ils sont pas très bien représentés. Ouais. Ce qui est tout simplement une fonction de notre évolution, puisque là, c'est les informations les plus importantes, à savoir un bébé qui pleure ou quelqu'un qui te parle. Exactement. D'ailleurs, la téléphonie avait pour but juste de marcher à 1 kHz. D'où le sans téléphone. Voilà. Donc c'est normal. Théoriquement, ça sert à communiquer la voix et les oreilles. On ne savait pas que c'était pour des amplis vintage. Jusque-là, tout va bien. Donc peut-être que Rick Beato a évolué, que c'est basse. Tu vois, c'est peut-être un mutant de notre monde. Je dirais pas ça, parce qu'avec l'âge, ça a plus tendance à... Voilà. Ça se recentre vachement avec l'âge. Avec l'âge. Voilà, c'est ça. Là, on est plus sur Rick Beato. Voilà. Non, peut-être Jacob Collier, tu vois. Jacob Collier, peut-être qu'il est là, tu vois. Qu'est-ce que tu nous as fait, là? Ça, c'est quoi, ça? Il entend super bien tout et des trucs qu'on comprend même pas. Voilà. Bon, Jeanne d'Arc, quoi. Très bien. Donc là, on rentre dans les croyances. Non, ça, c'est la fréquence Jeanne d'Arc. D'accord. Le 16 kilos, t'entends des voix. T'entends des radiocommunications qu'on n'entendait pas. Donc voilà. Alors, blague à part, Hein ça y est, là, là on est dans la connerie. Il se barrer en couille, et puis il y a ce que je vais dire là. Mais, tu sais, il y a des histoires de... Alors, ça, on l'entend pas, hein, on le perçoit. Ah si, on l'entend. Oui, on le perçoit. On l'entend. Ouais. Il est juste pas assez fort. Oui, c'est ça. Ah oui, non, mais tu l'entends. La courbe, elle est vraiment impressionnante. Mais il y a certaines fréquences. Il y a une fréquence de la ventilation en particulier. Okay. Qui fait vibrer l'œil quand elle est suffisamment forte. Alors, et qui peut donner des hallucinations visuelles, et qui ont donné des maisons hantées aux États-Unis. Il me semblait que c'était plus dans les 40 kHz quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord, ok. Ouais, parce que la ventilation, pour moi, c'est un bruit de pâle qui tourne à 50 ou 100 Hz, ouais. Tu vois. Mais apparemment, ils ont expliqué certaines apparitions comme ça. Ah, c'est marrant. Tu voyais effectivement une tache parce que ça vibrait à une certaine fréquence. Bah, le globe oculaire est une information. C'est vraiment quelque chose qui est capable de te donner une information de vibration, mais elle était plus dans les 40 kHz. Donc c'est de la perception, c'est même pas conscient, c'est ouf. Ouais. C'est ouf. Et alors j'ai vu dans South Park aussi le bruit marron. Ah bah, alors dans South Park, alors là vas-y, c'est une preuve irréfutable, je t'écoute. Dans le documentaire South Park. Oui. Non, vas-y, reviens à ta démonstration des enfants et de Rick Beato. Ah oui, pardon. Ok, donc déjà ça explique pourquoi on aime les médiums. Oui. Ça c'est important. Il y a une deuxième courbe à connaître. Donc là, juste pour revenir là-dessus, que ce soit bien clair pour tout le monde. Cette courbe montre que les basses très basses et les aigus très hauts, vous les entendez très mal. Il en faut beaucoup pour les entendre. Il faut compenser, ouais. Donc si tu fais une analyse spectrale du son qui sort de l'enceinte, il est forcément développé pour contrecarrer cet effet-là. Mmh. Pour que tu apprécies un spectre global. Ouais. Bon, voilà. Ça, c'est une première chose à comprendre. L'oreille n'est pas un système linéaire. C'est un système logarithmique qui a toutes ces problématiques et qui va aimer certaines fréquences. C'est facile de t'injecter des médiums, il n'y a pas besoin de pousser beaucoup. Ouais. D'où le « je perce le mix ». Oui, tu mets des médiums d'un seul coup, « oh putain, j'ai entendu le solo ». Voilà, avec la 100. Maintenant... Oh putain. Oh putain. Maintenant... Il a fait le mix holidien. Voilà. Il y a cette courbe qui est intéressante. Tu vois une courbe bleue claire et une courbe violette. Ouais. Celle qui est en haut, c'est quand tu tapes fort. Ok. Celle qui est en bas, c'est quand tu joues doucement. D'accord. Qu'est-ce qui se passe en abscisse et en ordonnée? En abscisse, c'est la fréquence. Ouais. Qui, elle, est aussi logarithmique, n'oublions pas. D'accord. Et en ordonnée, c'est l'amplitude. On s'en fout un peu de l'amplitude, tu vois juste qu'il y a une grosse différence, voilà. Ouais, ouais. Tu pars de 50 dB en moyenne à 120 dB en moyenne, c'est là où tu commences à faire saigner tes oreilles. Mmh. Mais la courbe est très intéressante. Ce que ça veut dire que quand c'est très fort, du coup, tu as une audition beaucoup plus linéaire. Exactement. Tu entends toutes les fréquences à peu près pareilles. Intéressant. Au moment de mourir. Ta dernière vision est un son parfaitement linéaire. Voilà. Si tu veux, pour ta dernière écoute, tu te fais mal. C'est fini après. Et t'as vu Motorhead. Voilà. Par contre, quand tu joues pas fort, tu n'as pas grand-chose avant 700 Hz. Donc ça commence au bas médium, on va dire. Mais oui. Même le bas médium, c'est 400. Mais au 400, t'as déjà perdu bien 10 dB, quoi. Ouais. C'est intéressant, ça. Et oui, bien sûr. Là, t'as ton atténuateur de puissance. Ouais. Il va et tu te demandes pourquoi ton plexi sonne pas comme l'album de Free. Voilà. Ça, j'ai trouvé que cette courbe était très intéressante. Bien sûr. Donc, si tu mets du volume, tu récupères... En termes d'amplitude, on est à combien, là? Énorme. Énorme. 120 dB, c'est énorme. Tu fais décoller... Tu te mets à côté de la turbine de l'avion. Mais à quel moment ça s'aplatit vraiment? T'as une idée? Non, je sais pas. Ok. Mais tu sais, c'est logarithmique. Donc, en fait... Oui, je sais bien. Pendant un moment, ça tu vas galérer. 2 dB, c'est ça? 2 ou 3, je sais plus. Alors, le logarithmique, si tu ajoutes 3 dB, tu doubles le volume. C'est ça. C'est ça. Après, c'est aussi dans la façon de calculer tes fréquences d'atténuation sur les filtres, ça qui est très intéressant. Mmh. Et puis, c'est pas pareil selon qu'on se le prend par surprise ou selon qu'on est préparé. J'imagine que ouais, tu dois avoir une sorte d'accoutumance. Ah bah oui, ouais. Et puis une protection. Alors la protection, si tu la mets, ça va changer la perception. Non, 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 mais tes oreilles se protègent. Oh, elles meurent surtout. Ah non, mais c'est sûr, en fait, l'oreille ne peut pas être réparée. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, par exemple, hier... C'est important. Quand tu préparais la vidéo, que t'as mis un grand coup avec un booster... Oui, j'avoue. Et que moi, j'étais en train de bosser... Oui, j'avoue. Ça m'a vraiment cisaillé la tête. Alors que moi, là, si je pousse les amplis et que je gratte, je sais... Je vais m'attendre à un son déclenché. Donc mes oreilles l'accueilleront pas du tout de la même manière. Alors ça, je sais pas du tout pourquoi c'est comme ça. Bah c'est toujours le truc du torturé et du persécuteur, quoi. Du persécuteur, je vais pas y arriver, quoi. Tu persécutes tes viewers en mettant un Jean Casque, quoi. Et puis voilà. Ouais. Si toi tu sais ce que tu vas faire comme connerie, c'est toujours mieux quand même. Oui, bien sûr. J'ai l'impression. Ouais. Bon. Donc voilà une des raisons. Par rapport à l'EQ, c'est ce que je peux t'apporter. Donc ça veut peut-être dire que si vous voulez bien entendre à bas volume, jouez sur l'EQ. On peut faire l'expérience. Allez, vas-y. Essayons un truc, genre... On va se mettre sur un seul ampli. On va faire une expérience, je sais pas ce que ça va donner. Je te dis où je t'emmène. Surtout pour eux, je sais pas ce que ça donnera. Mais déjà, si nous deux... comme ils écoutent. Si nous deux, on le vit et qu'on arrive à retranscrire quelque chose, ça peut être pas mal. Je vais juste monter le volume, peut-être pas autant, écouter ensemble ce que ça va donner. Mm-hmm. Ensuite, je le baisse et je remets des basses. Ok. Ça te va? Vas-y. On essaie ça? Je suis chaud. Hyper intéressant. C'est difficile de répondre à ça. Hein. Là, j'arrive pas à avoir un avis ferme. Bah moi, je préfère comme ça, effectivement. Parce que quand tu boostes tout, tu gardes quand même cette prominence des médiums. Là, effectivement, en tout cas, si tu cherches une sensation de volume, moi, je trouve qu'on s'en rapproche pas mal. Hein. On retrouve en fait un truc quand même, hein. Ce que j'appellerais une sensation de richesse harmonique. Ouais, je trouve aussi. Et ouais, en fait, la richesse harmonique, elle est là puisqu'on a rajouté des fréquences. Donc les fréquences sont des harmoniques. Bah oui, bien sûr. Oui, une harmonique, c'est la multiplication de la fréquence de base, c'est ça? Exactement. Ou une division d'ailleurs. Une multiplication. Une multiplication forcément. En réalité, la guitare est pleine d'harmoniques. Oui. Parce que. Bah, regarde, on les voit là. Voilà, elles sont là. Coucou. Quand tu vas jouer un accord, déjà, tu fais plein de notes différentes. Oui, bien sûr. À partir de là, ça fait plusieurs fondamentales. Une corde vibrante ne fait pas du tout de fondamentale, elle fait une somme d'harmoniques avec la fondamentale. Donc là, t'imagines la complexité. Une fondamentale pure, c'est juste une onde. c'est un sinus pur et c'est dégueulasse. Oui, genre le bip horrible que t'as sur un générateur de signaux, t'as pas envie d'entendre ça. Je sais pas si vous avez déjà fait le test de balayage en fréquence de votre oreille. Toi, je sais pas si tu l'as fait. Si, bien sûr. C'est le truc qui monte progressivement en fréquence. Ça, c'est du sinus qui balaye de 20 à 20 kHz. Ouais. C'est horrible. Ou de 10 à 15 dans mon cas. Oui, tu te dis, bon, c'est bon, t'embête pas à aller au-dessus de 10K, allez, te fatigue pas. Donc oui, en somme, augmenter les aigus, c'est pas idiot. Et augmenter les... pour avoir des harmoniques, et augmenter les bas qui sont manquants par la perception, ça paraît aussi pas idiot. Ouais. Ouais, ouais, moi, je trouve qu'on retrouve ce bloom, ouais. Cette façon de fleurir du son d'un ampli un peu plus poussé. Et c'est à ça que je faisais allusion au début de notre vidéo, c'est que là, je pense pas nécessairement que l'ampli travaille beaucoup plus. Non. Je pense que la différence est beaucoup plus dans notre perception que dans la création du son. Imagine ça après une notebox. Ça peut faire un truc. Et là, on commence à rigoler. Ok, fais rien. Vas-y, on la met... refait. Un peu plus d'aigu. Ça sonne plus criard, du coup. Tu le vois, la waveform, on a bien augmenté le volume. Ouais. On a mis 8 dB, donc quasiment x8. Parce que... ouais, quasiment. Ok, on refait un test. Fais rien, je te dis... Attends. Pardon. Vas-y. Ça fait pas le même effet. Hein. Ah, t'as pas la même sensation encore. Donc c'est pas que ça. C'est pas que ça quand même. Hein. Vas-y, explique. Bah, là, j'ai pas d'explication. Hein. Ouais. Ah là, je sais pas, je teste avec toi. C'est une expérience. Là, on fait une expérience. C'est beau. Alors, j'en ai une, c'est que là, on rentre dans un ampli qui est à peu près clean. Mais t'as vu, j'ai l'entrée du gain qui est quand même à 3/4. Ouais. Donc en lui mettant du volume, il va t'apporter une richesse harmonique par les lampes. Ouais, je vois. Qu'on va avoir du mal à représenter avec juste un EQ. Je comprends. Donc on a inventé l'overdrive. Moi j'aime bien l'idée du compresseur pour donner cette impression d'ampli poussé. Alors ça, je l'avais mis pour le sustain. C'était l'autre sujet que tu voulais aborder. Ouais, mais pour moi, il y a un côté justement des lampes qui s'écrasent un peu plus, ouais, que tu peux retrouver avec un compresseur. Tu peux tromper ton oreille avec un compresseur. Bon, aussi, hein. Et du coup, je me dis qu'en combinant les deux, peut-être qu'on serait pas très loin de ce qu'ils demandent. Voyons voir. Mais ils voudront pas l'entendre. D'où on part. Je trouve que... il y a un truc pas mal, ouais. Il y a un truc pas mal. On réagit quand même plus proche de ce que c'est en vrai, quoi. Là, sur une base de clean, hein, voilà, où on montrait le volume pour se faire plaisir. C'est intéressant. Ouais. Comme quoi, il faut beaucoup expérimenter pour trouver son son. Et je suis d'accord sur le fait qu'à la maison, t'en chies à trouver ton son. C'est pas possible. Sans appeler les flics, c'est compliqué quand même. Ok, intéressant. Tu voulais parler du sustain, il me semble. Bah, oui, en sac, effectivement. Alors déjà... Alors ça, faut qu'on parle. Ah. Pourquoi vous voulez absolument du sustain, déjà? Faut se poser la question. Parce que t'as entendu Carlos Santana. Oui, mais c'est ça. Europa. Mais finalement, oui, non, ce qui cite tout le temps, c'est Parisienne Walkways de Gary Moore. Oui, oui, Gary Moore. Avec la fameuse note qui fait oui. Mais ta gueule. T'as égorgé quoi, là? Qui c'est qui fait le cochon? Non, déjà, effectivement, c'est pas forcément une mauvaise chose de pas avoir de sustain. Ah, mais je trouve ça kiffant quand même. Écoutez John Lee Hooker, c'est le degré zéro du sustain. Ouais. C'est parce qu'il avait sa manche sur les cordes et du coup, ça. Voilà, on est à la limite du banjo, c'est beau. Et le sustain n'est pas une fin en soi, c'est ça que je veux dire. Mais si t'en as envie. Non, d'autre part. Non, je suis là pour débunker, moi. Ok, monsieur. Non, mais j'avoue, voilà. Chacun son tour. Moi, je suis en mode Hugo débunk. Hugo débunk. Ah oui, après Hugo décrypte. Je sais pas, c'est ma future chaîne YouTube. Hugo débunk. Hugo débunk. Bah, Julien débunk, sinon ça marcherait bien. Non, je me ferai appeler Hugo, ça marche mieux. D'accord. Deuxième chose. Non, une Les Paul n'a pas forcément plus de sustain qu'une Telecaster. Non, mais tu comprends, elle est lourde. Oui, et puis c'est un manche collé. Ça conduit mieux les vibrations. Non, c'est pas parce que t'as lu ça dans un article que j'ai moi-même écrit que c'est vrai. Non, chaque instrument est différent. Tiens, la veste, retournez. Voilà, t'inquiète. Vas-y, hop. Non, il faut bien généraliser à un moment pour ceux qui viennent d'arriver, pour qu'ils rattrapent un peu, etc. Mais en fait, tout ça est faux. Le sustain d'un instrument, c'est d'abord ses caractéristiques objectives qui sont toutes différentes. Deux Les Paul auront un sustain différent. Deux Strats auront un sustain différent. Il y en a qui ont un sustain incroyable. Le sustain, c'est la durée de la note. Okay. To sustain, c'est soutenir. La durée de la note par rapport à quel niveau? Entre ça, la vraie question, en fait. Le moment où tu l'as créé et le moment où le bois va s'arrêter de vibrer ici. Parce que, techniquement, il vibre à l'infini. Pour moi, il y a aussi une notion... Non, mais c'est ça. Yes, mais grave. Il y a une notion de niveau. Mais grave, oui. Il y a une notion de signal sur bruit. Ouais. Il faut définir quand est-ce qu'il n'y a plus de sustain. Quand la note n'est plus intelligible. Au moment où tu comprends que la note meurt. Ouais. Mais à quel moment? Au moment où ton noise gate s'ouvre. Ça me va. Ok. Tout part d'un noise gate. Voilà. Hugo débunk. Je sais pas si j'accepte ça, mais... Il n'y a pas de type de guitare qui a plus de sustain qu'une autre. Voilà. C'est une question d'exemplaire objectif de la guitare. Si vous voulez du sustain, bah, cherchez une guitare qui en a, si ça vous fait plaisir. Mais de toute façon, le sustain, c'est une question du gain avec lequel vous allez jouer, puisque par définition, vu que le gain compresse, il va relever les niveaux les moins forts, donc donner l'impression que la note dure plus longtemps. Je l'entends dans Gary Moore. Hein. D'où ton côté à l'infini. Et ça va être, et j'en suis profondément désolé, une question de volume. Parce que c'est l'interaction entre votre ampli et la guitare qui va faire que quand une note se met à durer, l'ampli va se dire « Ah ouais, c'est rigolo ça !» Et puis le micro va se dire « Ah mais c'est moi !» Et puis au final, les deux vont se mettre à causer et aller boire une bière au café du coin. Et c'est là que vous aurez le sustain infini que vous cherchez tous en vain. Mais ça s'appelle plus un sustain, mais une résonance. Bah oui. Ce que tu décris, c'est une résonance. J'ai envie de te débunker, là. T'as même pas idée à quel point j'ai envie de te débunker. Je suis pas ta mère, t'inquiète. Ça s'appelle une résonance. Voilà. Un feedback loop. Ok, alors ça, c'est la version naturelle du sustain. Alors, moi, je rejoins notre ami qui veut faire Gary Moore. J'aimerais bien ce son-là. Mm-hmm. Tu l'as dit, gain à donf, devant l'ampli, tu te prends des watts, ça réagit. Et puis, t'as du bol ou pas? Gardons un truc en tête. Le principe, c'est de faire vibrer la corde finalement le plus longtemps possible. Bien sûr. Ok. Et justement, alors, Ok, ça, attends. On est d'accord sur la définition. Garde en tête le où tu vas. Mais est-ce que c'est ça la définition? Oui, bien sûr. Parfait. Garde en tête là où tu vas parce que moi j'ai un truc à rajouter. Il y a d'une part une physicalité du volume, même sur l'instrument. C'est-à-dire que, bon, c'est moins vrai sur une solid body, mais si vous jouez par exemple une Gretsch hollow body pas loin d'un ampli très fort, ouais, vous allez avoir toute la caisse qui vibre. Oui. Et là, vous avez une interaction supplémentaire du volume. Et même, alors Gary Moore, je suis prêt à vous parier que sur cette même note, il sent son manche qui vibre. C'est à tous les coups. Si vous jouez vraiment très fort... On est toujours dans la perception, Julien. Mais bien sûr. Oui, oui. Mais ça joue dans cette interaction avec l'ampli. Tout à fait, oui, oui. Si vous jouez une Strat sur un Marshall, ou... Oui, une Les Paul, si tu veux. Si tu veux une Les Paul qui a du sustain. Une Les Paul face à un Marshall poussé à fond, vous allez voir qu'il n'y a pas que vos tympans qui vibrent. Toute la pièce vibre. Votre pantalon vibre s'il n'est pas bien attaché. Donc, effectivement... il y a cette vibration-là, et en plus de ça, et je vais refermer ma petite parenthèse, t'inquiète pas, continue. Il y a un facteur chance, c'est-à-dire que oui. Ted Nugent, qui est un con, mais qui est aussi un grand amateur de volume et de feedback, raconte que avant chaque concert, il cherche les sweet spots sur scène où le feedback va être joli, où le feedback va être intéressant, etc. C'est-à-dire que vous avez une question d'être au bon endroit, au bon moment, et d'avoir la bonne note qui va résonner en interaction avec le reste. Parce que, évidemment, selon la note que vous jouez, cette interaction sera pas la même. Gary Moore, s'il avait fait le même bend incroyable deux tons plus bas, si ça se trouve, ça aurait pas fait l'entrée en résonance que ça a fait avec la note en question. Tu veux faire Ted Nugent, s'il te plaît? Appuie sur l'accordeur. Ça marche pas. L'accordeur, c'est plus facile. J'adore le... Je sais pas ce qu'il disait, genre... Ah, je... en mode panic room, c'est... On a trouvé une fonction cachée, là, très clairement. Je sais pas ce qu'il nous disait. Donc voilà, c'est de ça dont on parle. On a cassé une équipe. Bon, maintenant... J'ai refermé ma parenthèse. On est tous les deux d'accord sur le fait qu'on parle de vibrations mécaniques. Mm-hmm. Est-ce que j'ai le droit de cracher sur les compresseurs sustainers, s'il te plaît? Mais grave. Merci, voilà. Tiens, regarde, celui-là, il est là. Vas-y. Voilà. Non, il est marqué compresseur. Il t'a pas menti. Voilà, il a marqué compresseur. C'est un compresseur. Un sustainer, c'est quoi, bordel de nouilles? C'est le truc que tu mets au-dessus des cordes qui les fait vibrer à l'infini. Là, c'est un hibo, des trucs comme ça, voilà. Mais pourquoi ils ont inventé des compresseurs sustainers? C'est quoi cette arnaque? Pour vendre des compresseurs. Ils se sont dit, tiens, je te vends un compresseur qui va te faire David Gilmour, quoi. On est d'accord. Mais bien sûr, mais de toute façon, merci, voilà, merci. Vous n'êtes pas les premiers. Voilà. C'est pas pour rien que le réglage de gain de la Big Muff s'appelle sustain. Ah oui, génial. Dès les années 69, ils voulaient les années 69, super. Ils voulaient avoir 69. Plus de sustain, forcément. Ouais. Bah ouais, on s'est bien fait niquer. Voilà. Ça, c'est dit. Maintenant, en soi, on peut quand même se poser une question légitime. Qui est, est-ce que... Il serait temps. C'est pas trop tôt. Ça fait 1 heure de rush, les gars. Putain, 45 enfin, minutes dans la vidéo. Enfin, est-ce qu'un compresseur peut malgré tout aider pour obtenir du sustain? Ça le crée pas, mais ça te donnera l'impression de le garder plus longtemps. Alors, ce que tu veux dire par là, c'est que ton niveau sera plus fort, donc tu auras l'impression de garder ta note plus longtemps, bah oui. Mais elle va s'éteindre à un moment. Bien sûr. On pourrait faire l'expérience de tenir une note sans compresseur, d'ajouter le compresseur, d'entendre cette note plus forte tout le long, mais qu'elle s'éteint au même moment. Tu comptes? Vas-y. On met ça dans Mostral. Moi, ça me va. Sans vibrato, à sec. 3... Ah ouais. Non, hey, mais t'es fou, toi. Je mets à quoi? 3, 4... Là, ça y est, je l'entends plus. Moi, ouais, j'entendais encore un petit peu, mais voilà, 8 secondes. Ok. 3, 4. À la tenue, okay. 11 à peu près. Alors, comment on va le régler pour un sustain optimal? Bah, release de bâtard. Ouais. Attaque, on s'en fout. Mix à donf. Mix à donf. Ratio de fou. Bâtard. Voilà. Voilà, comme ça. Input de bâtard aussi. Ouais, mais là, tu vas cruncher. C'est pas grave. Non, notre but, c'est du clean non, sustain. Non, non, non. On veut... Ok, vas-y. Vas-y. Fais voir comment ça rend comme ça. Fais ta connerie. Voilà. Ça, ça marche. Vas-y. 3, 4... C'est même moins bien que l'overdrive, j'ai l'impression. En tout cas, il a débandé à une vitesse impressionnante. Quand même. Ah ouais, il n'y avait plus de niveau. Mais ouais. Donc arrêtez vos conneries de marketing. Là, si donc ton compresseur n'est pas un sustainer. Voilà. Je crois qu'on vient de l'établir de façon irréfutable. Alors rajouter des effets, ça fait gagner 2 secondes. Parce que peut-être que... Rajouter du volume. Voilà, c'est ça. Parce que aussi, on l'entendait un peu dans le fond la note, mais on oui, se dit c'est mais... bon. On a juste rajouté du volume. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Alors, si tu veux rajouter du sustain, la seule solution que je vois, c'est le sustainer dont on parlait, un hibou. Ouais. Ou alors, une main gauche. Oui, bah oui, bien sûr. Ou encore une fois, le volume et le feedback. Mais ça, c'est ce que vous ne vouliez pas entendre. Voilà. Désolé. Je pense qu'on a fait le tour, Julien. Je pense qu'on est bien, là. Ouais, on est bien. Bon, vous avez les commentaires, comme d'hab. Hein. Voilà, et n'oubliez pas... Détester la nouvelle, mais pas le messager. Hugo Debunk is watching you.